Крестьяне прозвали девушку волчицей. It looks like it has been printed for special purpose. Ты же наизусть знаешь эту сказку. C'est une ville qui se trouve pas trop loin de Moscou. Donc c'est à 280 km, donc pour nous c'est considéré comme pas loin de Moscou. Pour les Français c'est pareil, quand même déjà assez loin. Donc ça va faire 20 ans que je suis en France et je suis venue, j'ai fait mes études de droit en Russie. Et en fait je suis venue en France, j'ai suivi mes deux meilleurs amis. Donc j'étais dans une école spécialisée de français déjà à Yaroslavl, donc tous les jours. Ou presque, à partir de 8 ans, j'avais des cours de français. La Russie, je l'ai mis de côté, donc je me suis parfaitement intégrée en France. J'avais rien en rapport avec la Russie, rien. J'avais que mes deux meilleurs amis, et encore, il y en a une qui est partie dans le sud, donc voilà, j'avais ma meilleure amie qui habite toujours à Paris, d'ailleurs. Je n'avais absolument aucun lien avec d'autres Russes. C'est là où j'ai compris à quel point, en fait, j'étais complètement accrochée, je pleure, attachée à mes racines. Et c'est vrai que je ne m'en rendais pas compte, en fait. L'écriture, d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidée là-dessus. C'est comme une sorte de thérapie, je ne m'en rendais pas compte avant. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, quand j'écris de toute façon un scénario, je dis pas du tout, bon, je vais écrire sur ça. Enfin, bien sûr, j'ai des thématiques qui sortent et tout, mais quand j'écris, c'est seulement avec du recul que je réalise, et même souvent avec de l'aide d'autres personnes, comme notamment le producteur de La Louve, Nicolas Lieberman, qui m'avait pointé plusieurs fois sur des choses dont je ne me rendais pas compte. C'est-à-dire que c'est effectivement toujours en lien avec le passé et très souvent avec mes origines, et en plus comme mes origines sont russes, donc forcément en lien avec la Russie. Je suis partie en France, j'ai tout oublié, j'ai tout mis de côté et c'est comme si ça n'existait pas. Mais en réalité, si, ça a toujours été là et le fait de le reconnaître, ce qui est mon cas du coup, le fait de l'admettre que finalement mes racines, c'est beaucoup plus important que ce que je n'ai pu penser et que ça puisse paraître, je pense que ça ouvre un champ des possibles. La Russie, je pense que, je ne sais pas dans quel ordre les placer, c'est bien sûr c'est la famille. Je pense que c'est cet âge d'insouciance où on était dans un cocon protecteur de la famille, c'est là où naissent tous nos rêves finalement, les envies où on se forme en fait, c'est la famille bien sûr, parce que moi je suis partie, j'étais encore jeune, et bien sûr c'est la nature, c'est la forêt. Labyrinthe, donc c'est mon tout premier court-métrage avec une équipe, je crois qu'on était 7 ou 10 en tout, mais enfin en tout, hein, avec les comédiens, enfin tout le monde. Et en fait, c'est né d'une opportunité, parce que j'avais une possibilité d'avoir une maison complètement vide, et je me suis dit, mais une maison complètement vide, mais il faut absolument que je tourne. Et en fait, c'était vraiment parce que j'avais envie de tourner, j'avais envie de expérimenter ça, et heureusement que j'ai eu cette possibilité parce que c'était un très bel exercice de ce que c'est de tourner déjà sur deux jours avec une petite équipe, toutes les erreurs qu'on peut faire, les choses qu'on a à gérer, ce qu'on nous a plu, ce qu'on nous a pas plu, c'était un très bel exercice. Donc quand j'ai eu cette opportunité d'avoir une maison vide,
fallait écrire un scénario. Et Labyrinthe, du coup, la thématique, c'est les regrets. C'est les regrets qu'on peut avoir parce qu'on n'a pas pu, on n'a pas trouvé le courage, on n'a pas trouvé le temps d'exprimer par rapport aux personnes qu'on aime. Et en fait, on s'en rend compte quand c'est déjà trop tard. Donc il n'y a pas de lien direct avec la Russie, mais c'est vrai que ce que je voulais dire dans ce film-là, c'est que quand on a des gens autour de nous qu'on nous apprécie, enfin qu'on apprécie, qui nous apprécient peut-être et qu'on aime, bah, il vaut mieux leur dire ce qu'on pense de bien d'eux pendant qu'ils sont encore là. L'idée d'écrire ce court-métrage m'est venue quand je lisais une histoire, enfin je lisais un conte russe à ma fille. Et c'était un conte russe en russe. Et j'ai eu comme un flash dans ma tête, j'ai eu une idée et je me suis dit mais il faut absolument que j'écrive une histoire. Et dès que j'ai fini de lui lire le conte, ben, je suis partie derrière mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Et en fait rapidement, pas le soir même hein, bien sûr, mais très rapidement j'avais la trame du court-métrage et en fait c'est parti de là. Quand j'écrivais mon court-métrage, je me suis dit, attends, il y a un conte qui est à l'origine du scénario. Pour être cohérente, bah, il faut que je l'écrive le conte parce que ça m'a paru le plus simple et logique en fait. Et donc du coup j'ai écrit aussi le conte. Donc le conte il existe, je l'ai écrit en français, il s'appelle La Louve hein, forcément. Donc j'ai cette histoire de la petite fille, enfin comment elle était abandonnée par sa marâtre, j'aime beaucoup. et après d'ailleurs je l'ai traduit aussi en russe ce conte. C'était une expérience particulière aussi parce que même si je suis russe, c'est absolument pas évident d'écrire en français et de traduire ensuite en russe. Enfin, pour moi, c'était pas du tout évident. J'ai un projet de court-métrage qui est... c'est un drame psychologique. C'est une histoire d'un... C'est lié en Russie, en partie. Donc, c'est une histoire d'un jeune homme, un photographe qui perd progressivement la vue. Il sait que dans quelques mois il deviendra aveugle et en fait les médecins lui disent bah écoutez voilà c'est comme ça, on trouve pas de raison, on trouve pas de remède, malheureusement voilà c'est vous allez devenir aveugle. Et du coup il part en Russie, il part en Sibérie voir un chaman. Et en fait, c'est un film, c'est un parcours initiatique de ce garçon qui découvre en fait que, un peu comme moi, qui a oublié toute une partie de son enfance. Là, pour le coup, il l'a oublié en partie grâce à sa mère, parce que dans le scénario, il y a trois personnages principaux. Donc c'est le garçon, Alexandre, sa mère, Diane, et le chaman. Et en fait... il a oublié toute une partie de son passé grâce à sa mère qui lui a mis des photos là où il faut. Enfin, elle lui racontait des histoires pour qu'il ait une image en fait lumineuse de son passé. Sauf qu'il a occulté une partie obscure, donc quelque chose qui s'est passé, qui se passait et qui s'est passé ensuite dans le passé et qui a fait que ça lui a créé des réactions psychosomatiques et que pour pouvoir ouvrir les yeux, ben il a fallu qu'il voie un chaman qui a pu accéder à son âme et qu'il puisse reprendre du coup sa vie en main ensuite. Personnellement, j'aimerais bien faire du cinéma justement qui soit un message fort d'auteur, mais qui touche le grand public. Donc c'est vrai après par rapport à je suis pas du tout dans la politique, donc je supporte pas ça. J'aime pas, je me mêle pas, je m'intéresse pas parce que je pense que ça sert à rien en fait. C'est que des combats qui mènent à rien. Bref, donc ça m'intéresse pas. Pour ce qui est donc le cinéma russe, je connais quelques films que j'aime beaucoup, Ivan Lungin, Lille par exemple,
J'ai adoré. C'est un peu ancienne Russie, voilà, le mystique, une île, enfin l'eau, j'adore. Enfin, esthétiquement, vraiment, j'adore. Et Zvagn, j'adore ses deux premiers films. C'est Le Retour et Bannissement. Pour moi, le cinéma, ça doit... Comment dire ? Faut pas dire de bêtises là, parce que c'est délicat, ça peut se retourner contre moi. Non, pour moi, personnellement, le cinéma, quand je me dis, ouais, je vais voir un film, je me dis, ouf, je vais m'évader. C'est-à-dire que je vais m'évader, je peux éprouver toutes sortes de sentiments et autres, mais je veux m'évader. Je veux pas regarder les flics pourris de Russie. Et sérieusement, je pense que j'ai pas envie de voir ça, peut-être. Parce que j'ai une grande capacité de... Grande capacité, pas toujours, justement. Je suis trop sensible, en fait, pour vivre ça, en fait, au cinéma. Je peux pas. Au Bannissement, je m'en suis pas remis pendant une semaine après. C'est là, même là, enfin... Bannissement, il faut le voir, oui. C'est un film très fort. La première réponse qui m'est venue spontanément, c'est l'enfance. C'est vrai que à mon époque, enfin, moi j'ai vécu pendant une époque formidable, c'est-à-dire que j'ai vécu avant la perestroïka, pendant et après. Donc j'ai vécu tout ça. J'ai des souvenirs de vraiment avant, pendant et après. Et c'est vrai que c'est une expérience particulière. Et c'est vrai que on devenait très vite en fait des adultes, mais notre enfance en fait, j'ai l'impression qu'elle était un petit peu raccourcie parce qu'on nous responsabilisait super vite, enfin très très tôt, vraiment très très tôt. C'est un sujet intéressant sur comment finalement comment on devient adulte, enfin, qu'est-ce que c'est l'enfance ou l'enfance qu'on n'a pas vraiment entièrement vécue. Enfin, là, j'exagère, hein. Je ne dis pas que je n'ai pas vécu mon enfance ou qu'on n'a pas vécu notre enfance. C'est juste différent. C'est vrai que quand je dis comme ça, je dis j'aime pas les drames sociaux, mais c'est ça le truc. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas aborder ces sujets-là au premier degré. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, justement, je me rappelais comment j'allais acheter toute seule du lait à 7 ans, comment je faisais la queue avec ma mère avec des petits tickets pour acheter du sucre, et quand on venait en magasin, il n'y avait vraiment rien. Et quand ma... acheter des chewing-gums, ça pourrait... Enfin, je pense que sous forme d'une comédie, peut-être ça pourrait être marrant, parce que c'est vrai qu'une fois encore, si je ne fais pas du premier degré, je me rappelle comment on achetait des chewing-gums. C'était... on avait, je sais pas, 8-10 ans, et c'était le début des chewing-gums. Les chewing-gums sont venus jusqu'à l'URSS. Je me rappelle, j'ai une amie qui vient sonner chez moi, donc j'ouvre la porte, elle dit « Il y a des chewing-gums au marché, ça t'intéresse ?» Je dis « Vas-y, ça m'intéresse !» Donc du coup, on fonçait avec elle au marché, et c'était pas vendu ouvertement. Donc en fait, voilà, il y a des fruits, des légumes, de la viande, plein de trucs, et en fait, il fallait faire le tour des commerçants et leur demander, vous avez du chewing-gum ? C'est comme si on achetait de la drogue, quoi. Et elle dit, ouais, j'ai des Donald et des turbos. Donc Donald, c'était 1 rouble, et des turbos, c'était 1,5 rouble, enfin 1,50 rouble. Voilà, ça paraît ridicule. Mais c'était une époque, et mon premier chewing-gum, je l'ai mâché pendant une semaine.